Welcome tout le monde, c'est Exictor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vous voyez, je suis bien habillé, je suis bien sapé, tu vois, avec mon petit maillot Netra, on dirait presque un gentleman, mais version e-sport, tu vois. Et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo en facecam sur WR, nouveau live, et donc aujourd'hui les gars, vous l'aurez vu au titre, on va faire le défi de l'homme clean. Qu'est-ce que le défi de l'homme clean? Et bah c'est simple, tout simplement. Une classe au sniper, vraiment clean, tu vois, forte opposition, impact loop, unité des minages, unité des minages, c'est comme ingénieur, si j'ai bien compris. Dirty gueule, une grâce flash, une grâce track, mais on va essayer de pas utiliser les grenades. Et on va essayer de pas camper, de par scope, de jouer propre, tu vois. Bon, ça va être chipmun, ça va être compliqué. Et ça va sûrement jouer beaucoup Master Martyr. Et justement, j'en profite de dire ça pour rebondir, parce que c'est vrai que j'ai remarqué en ligne, ça joue pas mal FTP, tu vois. Que ce soit pour des défis YouTube, hein, qui n'a jamais fait des défis en vidéo, jouer au détecteur de cible sur Black Ops 2, ou jouer au pompe, ou s'amuser à trouver des gens, voilà, bon, au bouclier d'assaut, ce genre de choses. C'est vrai que c'est sympa, mais il y a beaucoup de gens aussi qui le font pas forcément pour des vidéos YouTube, il y a des gens qui le font pas comme ça naturellement, qui jouent des martyrs ou par d'honneur ou mastodonte sur un double vert, tu vois, il y a des gens qui jouent, non je vous promets qu'ils jouent vraiment comme ça. Ou pompe dans les corners, ou masto avec un sniper par exemple, et qui campe, tu vois, c'est super sympa. Et donc bah voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit les gars, on va remonter le niveau. On va remonter le niveau. Et les gars viennent commencer. Je me suis pris trop en même temps je crois. Et on va remonter le niveau. Je sais même pas moi. Et on va essayer de jouer bien, on va essayer de faire une bonne game, parce que le but c'est comme de faire des kills, hein. On peut jouer clean mais on peut jouer clean en faisant des kills. Et on va essayer de remonter le niveau, de faire une bonne game, tout en jouant clean et en insultant pas parce qu'il faut être gentleman. Aujourd'hui on a été des gentlemen. Bon alors je vais peut-être pas faire 150 games non plus parce que peut-être que bon, si vous voulez d'autres épisodes, j'en ferai d'autres. Mais je vais peut-être pas en faire 50 parce que je vous garantis que déjà une game c'est compliqué pour moi de parager. Alors si je peux faire ça 50 fois, ça va être très très compliqué quoi. Donc là ça va être compliqué, en plus c'est Cheatman, donc c'est la pire map, pire map pour le sniper. Enfin moi je trouve. Donc là ça va être très très compliqué, surtout si j'ai un shoot comme ça. Surtout que si j'ai son... Ah j'ai pas une petite retourcée pour le sniper. Hop, ah quoi que ça peut faire. Faut essayer de pas camper non plus, hein, mais voilà, là ils arrivent tout sur moi, tu vois, donc je vais pas dire non, je vais pas dire, enfin, faut... ça serait mal poli de refuser, ça serait mal poli. On n'est pas mal poli, bon. Non mais voilà. Non mais je campe pas, je temporise comme dirait monsieur de V12. Hein. Et donc voilà, bon, on va pas utiliser la frappe RN pour le moment, j'ai pas envie de leur casser les couilles. Wesh, je sais même pas comment je l'ai eu là. Je sais même pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Bon, enfin voilà, on va quand même essayer de rusher un peu plus pour se rattraper des types de bâtards qu'on a fait, si j'ose dire. Ah, voilà. Oh, oh bah mastodonte avec le pompe, tiens. Mais franchement, ça m'aurait étonné. Hein. Bon, enfin bon. Voilà, on va essayer de parager, on va essayer de jouer bien, de faire une bonne game, de produire du bon contenu, les gars. Et de ne pas insulter mes adversaires parce que eux n'y peuvent rien. S'ils jouent comme ça, c'est pas de leur faute, les gars, c'est pas de leur faute. Marqueur. Ah, c'est bon, assistance. Je suis mort. C'est pas grave. Hop, oh, le flash cop qui est pas passé. Bon, enfin bon. Je suis pas joué de la bite hein, sur Code 4. Sur aucun jeu d'ailleurs. Hein. Sur Code 4, hein, Code 4 NWR, pardon. Sur Black Ops 2 ou quoi, j'étais pas joué de la bite non plus, mais voilà, je suis pas joué de la bite sur Call of, mais. Quoi voilà, merci quand même. Mais voilà, on va essayer de se débrouiller parce que ça va, on le joue. On se débrouille quand même, on se débrouille quand même. Ah, mort comment? Ah, hélicoptère, d'accord. Et bien, vous voulez jouer hélicoptère? Ah, d'accord, je peux pas jouer le bombardement. Ah, bon, d'accord. Bon, donc voilà, on va essayer de jouer bien. On va essayer de faire une bonne game, même si je suis pas joué au scope, on va faire ce qu'on peut. On va vraiment faire ce qu'on peut. Ah, je l'ai eu. Ah, je suis pas mal là. Ah, je suis content de l'avoir eu. Ah, moi, c'était mon bombardement. Je crois que je l'ai eu au scope, je suis pas sûr. En tout cas, voilà, ça se passe plutôt bien pour moi. Par contre, pour mes alliés, bon, bah, on va dire qu'ils sont clairement ouvrir. Hein. On va le dire, hein, entre nous, hein, ils sont clairement ouvrir. Donc voilà, la game est finie. Donc voilà, donc les gars, hein, c'était la petite partie en mode clean sur Chipmunk en plus les gars. La map du diable, la map qui te tente de tout faire, de tout prendre. C'est une map, quand tu joues dessus et que tu vois les mecs en face qui jouent Masto, Marty, à barre d'honneur, grenade, pompe, lance-grenade, tout ce que tu veux, et je te campe au fusil dans un coin, et je te cours partout au pompe dans la map, et je te fous des coups de pompe à cause de map. Enfin, peut-être pas à cause de map non plus, parce que bon. Enfin, on va voir sur Chipmunk, à cause de map, tu vas me dire, ça passe, hein, au pompe. Mais voilà, mais c'est vraiment la map du diable, tu vois, t'es tenté de jouer avec des FTP, t'es tenté de jouer Master Martyr sur Chipmunk. Qui n'a jamais été tenté de jouer Master Martyr sur Chipmunk? Sérieusement, qui n'a jamais été tenté? Bon. C'est la map du diable, et j'ai réussi à produire un bon contenu avec du 16-16 sur Chipmunk. Bon, mes amis, se sont fait ouvrir. J'ai envoyé un bombardement qui a fait 2 kills, mais bon, je pense qu'on peut quand même dire que, à part ça, j'ai fait du bon contenu. J'ai un petit peu campé au scope, mais c'était impossible de faire autrement, tu vois. C'était vraiment ma survie qui en dépendait. Comme j'ai dit, je peux jouer clean, il faut quand même que je fasse quelques kills. Mais je pense que j'ai quand même produit une belle partie, tu vois. J'ai pas vraiment campé. Je suis pas en train de me justifier du tout, là, pas du tout. Enfin, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est Exécutor. On se retrouve pour une prochaine vidéo.
Dites-moi si le défi vous a plu, si vous voulez d'autres épisodes. Dites-moi si vous voulez un épisode spécial rage ou un truc comme ça aussi. Je sais pas si ça a déjà été fait comme défi, bah le défi de Lumpkin. Si ça n'a jamais été fait, bah dites-le moi en commentaire. Et si ça a déjà été fait, bah dites-le moi aussi. Hein. Je pense être le premier français à le faire. En tout cas, je dis la prochaine, c'était Exécutor. Allez, bye les gens.